Asina maru ebe nukere tumenawa, ekpele tumenawa. Asina maru ebe nukere tumenawa. Adio! Yeah, c'est Fofo Scarfo pour Musique Rature. Ce que je viens de faire là, c'est ça. Ça s'appelle de la chanson togolaise. C'est comme ça on chante dans le sud du Togo, quand même, si je veux dire. C'est ces harmonies-là, ces notes, cette façon de tourner les mélodies qui font que ça, on peut appeler ça de la chanson togolaise parce qu'elle est vraiment typique à cette région-là du sud Togo. Maintenant, parlant de musique, je vais rajouter des instruments. Je vais faire plus, ça peut être un orchestre, ça peut être un seul instrument, etc., etc. Alors que dans cette musique togolaise aujourd'hui, on ne retrouve pas ces notes-là, on ne retrouve pas ces harmonies-là. Et même quand quelqu'un chante comme je viens de chanter, la musique qui l'accompagne est rarement faite dans ces harmonies-là. Et c'est ces harmonies en fait qui font qu'on peut dire que ok, cette musique elle est typiquement togolaise. Et nous n'ayons pas d'instrument de base comme... instrument propre, on veut dire comme le balafon ou la koura par exemple au Mali. Donc c'est en fait, c'est en ramenant ces harmonies en musique qu'on pourra avoir ce qu'on appelle de la musique togolaise. Donc à la guitare par exemple, on aura... Dans ces harmonies-là, ces harmonies, une fois ramenées en instrument, on aura ce qu'on appelle de la musique togolaise, purement togolaise, bon, ou du moins du sud Togo. Et pour l'instant, je ne pense pas qu'on en est encore là, et ce qui fait qu'on a toujours quoi, une musique qui s'identifie à une musique particulière à elle, et on classe toujours ce qu'on fait dans la world music. Voilà pour ça. Fofo Scarfo pour Musique Rature.